Nous sommes avec Monsieur Crinquette, le directeur de l'Institut de Genêt. Bonjour. Alors, Monsieur Crinquette, quelle est la finalité de cet institut? Alors l'Institut, c'est une grande maison et ancienne maison, hein, 120 ans d'existence qu'on va bientôt fêter. Un établissement qui est, on va dire, un univers de formation, puisqu'on a à la fois un lycée d'enseignement général avec des filières générales, le bac S, le bac ES, comme dans tout lycée d'enseignement général. On a aussi un lycée dit agricole, où on prépare à tous les métiers du secteur agricole, donc la production agricole, la production horticole, la fleuristerie, l'aménagement paysager, les métiers du cheval, le commerce, la distribution. Donc on prépare des jeunes de la 4e au BTS, et on a aussi quelques partenariats avec des universités pour développer des licences professionnelles. Donc BTS, bac professionnel, dans tous les métiers dont j'ai parlé, donc production, aménagement paysager notamment. Alors c'est un établissement qui porte aussi un CFA, Centre de formation d'apprentis, hein, puisqu'on a à peu près 1200 apprentis répartis sur 11 unités de formation sur l'ensemble du territoire du Nord-Pas-de-Calais. Et donc voilà, l'Institut Genêt, c'est cela, donc c'est 3500 jeunes en formation, des jeunes qu'on a à cœur d'accompagner le plus possible pour leur permettre de bien réussir leur formation, d'obtenir un diplôme qui est important pour l'accès à l'emploi. Et on est sur des métiers qui sont porteurs à condition d'être motivés, des métiers passion, des métiers où effectivement ça demande de vraies compétences.